nouveau vlog. Oui, un nouveau vlog. Je vous montre, j'ai reçu ce matin, oui, un énorme colis de ma petite Aurore qui est en partenariat avec moi de chez Party Light. Elle travaille pour Party Light et du coup, elle m'offre quelques bougies de temps en temps. Et là, j'avoue que je lui avais fait une commande avec deux grosses bougies 3 mèches. Il y avait une offre qui est toujours actuelle, je crois, deux bougies 3 mèches. 49,90 € 90, un truc comme ça. Bon, 50 €, ça faisait 25 € la bougie. Sachant qu'une coûte 39 € à la base. Et comme j'ai eu un coup de cœur pour une bougie, bah, j'ai décidé de lui passer commande et de lui en prendre deux, dont celle que j'adore. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Et voici le colis que j'ai reçu. Ça n'a rien à voir avec les deux bougies que j'avais commandées, hein. Voilà, hein. Vous voyez, elle m'a fait un énorme colis. Hein, c'est la taille de ma main. Par rapport à tout ça, un énorme colis. Elle m'a dit que c'était un paquet de couches. À la base, c'était les colis pour envoyer les couches. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, on va commencer par les calendriers de l'Avent du jour. Alors, est-ce que je vais y arriver avec ce gros colis dans les pattes? Honnêtement, j'étais trop excitée de l'avoir. Je vous en avais parlé de ce colis dans ma vidéo unboxing que je vous remettrai ici. Et j'attendais ce colis avec impatience parce que je voulais mes bougies. Et puis ma petite Aurore, je savais qu'elle allait me rajouter des petites choses. Donc j'ai hâte de découvrir aujourd'hui, donc le 17 pour moi. Vous aussi, je pense qu'on sera dans les bonnes dates. On a une bougie B d'hiver. Je sais plus si on l'a déjà eu, mais j'aime bien. Très 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 doux. Alors, chez W7, on voit presque, hein, il est complètement arraché. C'est un petit rouge à lèvres, un petit lip mat comme ça. Il n'y a pas trop de teinte en revanche, mais celui-là, c'est un vrai nude marronné. C'est pas du tout ce que j'ai sur les lèvres. Ce que j'ai sur les lèvres, je vous en parle juste après, parce que c'est une petite découverte du moment. Et j'aime beaucoup. Et dans mon Christmas favorite, on avance là dans le mois de décembre, on avance vite. Oh, trop bien. Trop bien. Et là, on en a offert un, pas de cette marque-là, dans notre swap calendrier de l'avant. Je vous le mettrai ici, de la marque Essence. Et là, j'ai le vrai, de la marque Beauty Blender. J'adore, moi, ceux-là de la marque Beauty Blender. Je suis contente d'en avoir un, sachant qu'il coûte quand même 14 €, je crois, ou 15 €. Dans un calendrier de l'avant comme ça, c'est juste trop bien. Et je pourrais le comparer, du coup, avec celui de la marque Essence que j'ai eu, mais je suis trop contente. Donc, dans mon gros colis, Aurore, elle me dit quoi? Ma belle Karine, merci encore pour cette commande. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commandé les deux bougies. Et cette collaboration, les fêtes approchent, alors je t'ai glissé à l'intérieur quelques petites douceurs de ma région en Loire-Atlantique. À partager avec ta famille et à déguster sans modération. Ça, c'est trop adorable de me faire partager un petit peu les petits trucs de ton coin. Tu y découvriras des petites nouveautés de Party Light ainsi que le nouveau catalogue printemps 2020 qui commence le 1er janvier. D'autres sont à venir très vite, notamment des accessoires comme tu as pu le voir. C'est vrai que Party Light, ce n'est pas que des bougies. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont l'air très sympas. Le catalogue, il est ici. Alors, je sais pas trop si j'ai le droit de vous en parler, mais en tout cas, voilà, printemps 2020, donc c'est pas pour tout de suite. Il y a des trucs trop mignons. Ils ont des designs, je trouve, de bougies. Vous voyez, c'est ce genre de bougies-là, en fait, qu'on a eu, que j'ai commandé. Et c'est vraiment des bougies que j'aime beaucoup. Après, les autres bougies que j'ai testées, je les aime beaucoup aussi. Mais celle-ci, c'est vrai que c'est un vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, on vous fait gagner avec Aurore sur mon Instagram et son Instagram. Je vous mets vraiment tous les liens en barre d'infos. Moi, c'est Karine Misbouk, mon Instagram, et le sien, c'est Aurore Party Light, je ne sais plus exactement. Mais je vous le mets ici et en barre d'infos. Et vous pouvez gagner, du coup, de l'eau. Je pense qu'on va faire gagner un chez moi. Je vais choisir une gagnante chez moi et elle choisira une gagnante chez elle. Comme ça, vous aurez, voilà, il y a deux lots avec la bougie comme ça à gagner de votre choix et tout. C'est vraiment des lots trop bien. Donc, je vous invite à aller nous rejoindre sur Instagram. Alors, je pense que là, il y a mes bougies. Voilà, je pense que ça, ce sont mes bougies donc, que j'ai commandées. La fruit glacée. Donc, 3 mèches, la fruit glacée. J'avais trop hâte. Donc, la voici. Toute douce, la couleur. Oui, j'ai mes éclairages parce que ben, on est le soir. Ça sent bon. Ça sent le côté un peu frais, glacé et légèrement fruité. Ça a l'air d'être une odeur toute douce. J'ai hâte de découvrir. Je regardais si ça tenait. En fait, il ne faut pas le tenir par là parce que ça ne tient pas vraiment. Mais si on l'enfonce bien, ça tient à peu près. Donc, c'est une odeur toute douce que j'ai hâte de découvrir. Je pense que ça va être le genre d'odeur que je vais beaucoup aimer. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à commander à cause de moi. Et ça me fait plaisir parce que je me dis que... Bah, mon avis compte quand même pour vous et ça c'est plutôt cool. C'est vrai que vraiment quand je vous dis que j'ai eu un coup de cœur et que je vous en parle à plusieurs reprises, c'est pas du tout, je suis absolument pas payée pour vous le dire. Aurore, elle me force pas du tout à vous le dire. C'est parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment une marque que j'ai découverte et je suis assez épatée quand même. Donc là c'est celle que j'ai adorée, c'est Chaleur Hivernale, c'est ça? Chaleur Hivernale. Je l'ai trop adorée. Mon mari il a adoré aussi. Oh mon dieu.
Et on l'a fumée, cette bougie, on l'a totalement fumée, elle est descendue ultra vite parce qu'on la mettait tous les jours, c'était une odeur cocooning, hyper douce, enfin, et on adorait. Donc si Chéri valide, c'est quand même pas mal parce que c'est assez rare. Oui, il me dit souvent, ah oh, ça sent fort, j'en ai marre de ton odeur et tout. Là, il a validé, donc j'ai racheté. C'est ce que j'avais commandé, donc il y a d'autres choses dedans que je ne connais pas. Donc biscuiterie bretonne, la boutique. Donc ça vient de Pouliguen, si je prononce bien. Ça c'est cool. Oh là là, mais ça a l'air trop mignon. Mais qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est tout un pot et tout. C'est de la fleur de sel. Oh c'est trop bien. On adore cuisiner avec Chéri et surtout Chéri en ce moment, hein, vu qu'il est en congé parental, il adore cuisiner. Et du coup là, tu nous as pris de la fleur de sel de Guérande, cueillie à fleur d'eau. Donc je ne connais absolument pas, avec le petit pot et la petite cuillère derrière. C'est trop adorable, ça me fait trop plaisir, merci, ça me touche énormément. Et ça va nous servir au quotidien, donc on va penser à toi à chaque fois qu'on cuisine. Alors là, il y a une petite boîte. Il y a trop de petites choses en fait. Oh, bah il y en a encore une. Qu'est-ce que c'est? Donc ça a l'air d'être une bougie. Oh, c'est ma bougie. Je pense que c'est une odeur que je vais adorer. C'est fleur de coton. Vous savez que je suis une grande fan de ce genre d'odeur. Ah, oh, ça sent bon. Ça sent beaucoup plus fleuri que celle que je connais dans d'autres marques en fait. Celle que je connais par exemple chez My Jolly Candle, etc. Ça sent vraiment plus le propre. Là, ça sent vraiment la petite odeur de fleur de coton. Voilà, la fleur. Mais en même temps du propre. C'est un mix des deux. J'ai hâte de la faire brûler celle-ci. J'ai hâte. Parce que vraiment, là, j'avais envie de me donner, de me faire une idée sur celle-ci, vu que j'adore ce genre d'odeur. Merci Aurore, c'est trop trop cool. C'est Noël avant l'heure déjà. Refais mon stock déjà là. Alors, mon friasse, mon friasse. Je pense que tu as bien craqué dans la boutique à Pouliguen, hein, donc la biscuiterie bretonne. Oh là 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 là, mais t'es une grande dingue. Oh, tu sais qu'on est gourmand, tu nous connais bien maintenant, voyez? Elle nous a pris du caramel beurre salé, je pense, hein. Crème de caramel au beurre salé. Afin de garnir vos crêpes, vos brioches, mais aussi vos sablés bretons. D'ailleurs, je n'ai pas de sablé breton là, va falloir que j'en achète. Ça a l'air trop bon, ça a l'air trop bon. Nous, on adore ce genre de petites choses-là et ça me donne trop envie de partir en Bretagne. Ensuite, on a des petits bougies comme ça, réchaud. Alors, à quelle odeur est-ce que c'est? 15 bougies à réchaud? Je ne sais pas du tout. Ah bah c'est un mélange de tout en fait, c'est pour ça. Échantillon de bouchée à réchaud. Ah, il y a plein d'odeurs différentes, ça a l'air d'être des odeurs super fraîches. Alors je vais chercher après les odeurs, mais oh là là, ça sent trop bon. Ça n'a pas du tout, je trouve par rapport au calendrier de l'Avent Party Light, c'est des odeurs un peu chaudes, d'hiver, cocooning. Là c'est vraiment des odeurs plus fraîches. Peut-être que c'est des odeurs pour le printemps, vous savez, pour la nouvelle collection qui arrive, mais c'est vraiment des odeurs très très fraîches. Oh là, ça sent trop bon. Et honnêtement, j'aimais pas du tout ce genre de petit truc avant, de petit réchaud là. Et là, j'aime beaucoup. Depuis que j'ai le calendrier de l'Avent, de Party Light, je vous mets là, mais parce qu'il est à côté là, je vous le montre dans toutes mes vidéos quasi. Et bah, je suis conquise par les petits réchauds comme ça. Donc j'en ai plein de nouveaux à tester, c'est trop cool. Logiquement, j'ai fouillé dans tout le. Et il n'y a plus rien à part ce gros paquet. Donc le dernier, toujours de la biscuiterie bretonne. Donc là, c'est le vrai paquet de madeleines, non? C'est pas des. Oh, il y a un mix de plein de gâteaux, on dirait. Ah, il y a des sablés bretons, des madeleines, des mini 4/4. Oh là là, mais c'est trop bien ça! En fait, ouais, vous avez. Je sais pas si vous verrez. Vous avez des sablés, des madeleines, des petits 4/4, des petits marbrés chocolat. Oh là 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 là. Je vais garder, je pense, l'adresse. Je vais voir s'il y a un site internet parce que si on aime beaucoup, je pense qu'on commandera sur leur site si il y en a un. Merci Aurore, vraiment, ce colis est juste top. Et effectivement, ça va être pour toute la famille, pour Chéri, pour mes enfants. Demain, je t'envoie des petits Insta pour te montrer un peu qu'on est en train de déguster ça et pour te dire ce qu'on en a pensé. Mais vous êtes d'accord avec moi, je pense que ce colis est merveilleux. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens pour papoter avec Aurore si vous voulez aussi aller la découvrir, si vous voulez aussi commander des choses sur Party Light. Je sais qu'elle faisait les frais de port gratuits quand vous veniez de ma part, pardon, jusqu'à une certaine date, mais je sais pas si c'est encore le cas, donc elle va essayer de voir pour prolonger tout ça. Mais n'hésitez pas à aller lui dire, parce que les frais de port gratuits, c'est toujours ça de gagner. Et puis avec les offres qu'il y a sur Party Light et les bons plans, je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce colis est dingue. Et pour mes lèvres, je voulais vous en parler. J'ai reçu de la marque,
mes trucs qui tombent partout à côté de moi, de la marque Elisabeth Arden, deux petits produits, parce que vous savez que j'aime beaucoup cette marque, depuis que j'ai testé les soins, les sérums visage, j'adore. Donc là, ils proposaient de tester deux produits pour les lèvres et une pour le visage ou le corps. Je me suis dit pourquoi pas, je connais pas du tout leurs produits. Et là, j'ai testé sur les lèvres ce petit rouge à lèvres là. C'est une sorte de, moi je dirais, de baume à lèvres teinté. Là, c'est une couleur un peu rouge. Alors, j'aime pas le rouge. Quand j'ai vu, je me suis dit, oh bon, je me suis trompée dans la couleur et tout. C'est la teinte Cabernet. Et vous voyez, hein, c'est écrit la pastille ici. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un truc un peu en transparence, mais quand même bien pigmenté. Hein. Ça se voit. Et c'est ultra agréable sur les lèvres, ça répare super bien les lèvres, ça fait 2-3 jours que je teste et j'aime beaucoup. C'est le genre de rouge à lèvres à glisser dans le sac à main, ça rehausse le teint, rehausse voilà, la jolie couleur de vos lèvres. C'est très très sympa, j'aime beaucoup avec tout type de make-up, hein, ça se met avec n'importe quoi je pense. Hein. Donc pour l'instant, je suis assez conquise, honnêtement, en plus il y a un FPF dedans. De 15, ils appellent ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est un baume protecteur pour les lèvres, soin coloré, donc... plutôt pas mal, et ils nous ont glissé avec une petite crème, une crème un peu tout en un, hein. J'avais regardé, c'est un baume réparateur qui est pour le visage, pour les mains, pour les cuticules, mais ça sent hyper fort la menthe. En fait j'ai testé quand j'ai reçu, parce que par curiosité, c'est une sorte de baume, déjà le packaging est comme ça, il est très sympa, c'est une sorte de baume un peu couleur miel on va dire, voilà vous voyez là, et ça sent quand même... c'est une texture assez épaisse et ça sent un peu la menthe. Moi, je mettrais plus ça sur les mains et les cuticules. Mais ils disent que ça peut faire un effet radiant sur le visage, un peu effet bonne mine, quand vraiment on a pour raviver un peu l'éclat. Ça lisse aussi les sourcils. Alors ça, j'ai jamais testé, c'est marrant ça, pourquoi pas. Et ça protège la peau en toutes circonstances, donc surtout là avec le froid, etc. C'est un peu une sorte de crème miracle. Alors c'est vrai que ça a une sacrée texture, hein. C'est ultra méga hydratant quoi. C'est vrai que je pense j'en mettrais peut-être un peu sur mon nez tout à l'heure. Voilà, j'en ai mis, mais parce que j'ai une petite plaque de sécheresse sur le nez, ça peut peut-être pas lui faire du mal, mais ça a vraiment une texture. Voilà, j'ai tout étalé. Mais ça sent vraiment le baume mentholé, poivré. Vous savez cette odeur hyper forte. Donc sur le visage, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Même moi, je suis pas sûre de le mettre sur mon visage. Peut-être sur certains points pour un peu raviver l'éclat. Mais sur les mains et les cuticules, je pense que ça sera très bien. D'ailleurs, en passage, mes mains là, vous voyez, j'ai enlevé mes faux ongles que vous avez vu pendant une semaine. Ça faisait 2 semaines que je les avais de chez Kiss Impress, Impress Manicure. Et du coup, là, j'en ai eu quelques-uns en stock dans ma vidéo unboxing. Là. Je vais mettre des rouges et verts foncés, un peu sapin. Faire une petite composition sympa ce soir, ça va être mon petit truc du soir. Et je vous montrerai sûrement demain le résultat. Mais là, comme vous voyez, ça ne m'a pas du tout abîmé les ongles au passage. Quand j'enlève les Kiss Impress, ça ne m'abîme pas les ongles du tout. Voilà, ils sont comme avant, ils ont poussé, c'est tout, ils ont quelques petites griffures on va dire dessus, mais c'est pas forcément lié au Kiss Impress, ça faisait déjà un peu comme ça avant. Donc moi j'aime bien les Kiss pour ça, ils abîment pas du tout mes ongles, ces faux ongles. Donc vu qu'il n'y a pas cette colle, en fait c'est des autocollants, ça abîme beaucoup moins l'ongle. Et ben là je vais aller les mettre et je vous retrouve demain je pense pour la suite de ce vlog où je vais un petit peu vous montrer, je sais pas si je vous emmène avec moi chez Action parce qu'il faut absolument que j'aille pour ma clash chez Action, donc soit je vous emmène avec moi chez Action, soit je vous montrerai les petites trouvailles que j'ai fait par rapport à ma classe et je vous montrerai un peu mes préparations pour ma classe je pense, même si c'est la dernière semaine d'école pour moi, hein, il me reste à peine quelques jours, ben j'ai des petites choses à préparer, on doit faire des petits trucs à checker là, donc je vous montrerai ça sûrement demain. Coucou, je vous retrouve dimanche, donc je vous avais dit que je continuerai ce vlog, d'ailleurs j'ai plus de batterie, il va falloir que je remédie à ce problème. Aujourd'hui j'ai fait mon teint, oui, pour dimanche, parce que je vais aller à Action, et puis j'avais envie de tester des nouveaux produits, je vais vous les montrer juste après. Mais regardez-moi ce teint! Pas trop beau, j'ai utilisé plein de nouveaux produits, il faut que je vous en parle, ils sont magnifiques. Le gloss, on n'en parle même pas. Les yeux, superbe pigmentation. J'adore. J'adore, c'est glowy, c'est doux, c'est frais. Enfin, je sais pas ce que vous allez en penser, mais vous me direz, mais je vous montre tout de suite les produits que j'ai utilisés. Alors voilà un peu la composition des produits. J'ai utilisé ma nouveauté là que j'ai acheté chez Sephora. C'est le Hollywood Flawless Fairy Filter. Et d'ailleurs, hier, j'ai commandé du coup le fond de teint de la marque parce que j'ai envie de faire un petit duo. C'est la teinte 03. Ça me paraissait foncé, mais ça vous donne un glow sur le visage. Non, mais mon Dieu, quoi. Trop, trop beau avec le produit encore Pierre Rico qui est juste trop bien là, le sérum de teint. Le l'anti-cerne aussi Pierre Rico qui est fait un peu 3 en 1, lifter, lumineux, etc. Il est très très bien aussi. Donc le trio là, trop beau. J'ai utilisé de W7, là vous savez mon petit calendrier de l'avant que je vous présente. Bah le blush, l'enlumineur et le bronzer. Bah écoutez, un petit trio parfait.
Pour faire tenir mon teint, j'ai utilisé ça de chez Pacifica que j'ai eu dans mon swap avec Olivia, que j'adore, hein, j'utilise tous les jours d'ailleurs, tous les jours, j'aime beaucoup. Le spray est pas ouf ouf, mais j'aime bien le produit. Sur mes lèvres, c'est ce gloss là, du coup j'hésitais à le garder, mais vous comprendrez que je vais le garder parce que ils sont vraiment bien pigmentés et puis ils sont pas collants du tout. J'aime bien. Ils ont un petit effet un peu pump en plus. On a l'impression que ça pump un peu les lèvres. J'ai utilisé sur mes yeux la nouvelle palette que j'ai eue dans mon swap calendrier de l'Avent avec Ella, la Palm Spring, qui est juste magnifique. Encore une fois, comme je vous dis, quand je débute un premier make-up, j'utilise souvent des nudes, ou en tout cas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Hop, je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai utilisé ces trois-là, clairement, ces trois-là qui sont magnifiques. Celle-ci, elle est trop trop belle. Et en coin interne, ce petit doré-là. Très très beau, très très belle association. Poudreuse, hein, vraiment poudreuse, mais très bien pigmentée. Donc j'aime bien pour l'instant. J'ai utilisé le sérum Essence. Et ben, il est pas mal du tout, hein. Comparé avec Dior, et ben, écoutez, ma foi, il est vraiment bien. Donc pour une première utilisation, c'est pas mal. Mon petit mascara Kiko de la gamme Ocean Feel. Et puis mon crayon beige de chez BH Cosmétiques dans l'œil. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Plein de nouveautés et je suis fan. Bon, je vais vous mettre à charger avant que ma batterie s'arrête. Aujourd'hui, c'est en mode rangement et puis après, je pars faire un petit tour à Action pour acheter des trucs pour ma classe parce que franchement, je sais pas si vous verrez, mais il y a un bordel monstre. Hein, voilà, vous voyez les dessous là, hein? Et puis sans en parler de mon bureau, hein. Oui, j'ai fait un unboxing de dingue et j'ai tout laissé là. Du coup, ben voilà, et j'ai du mal à venir ranger puisque mon fils dort de temps en temps ici, il fait sa sieste ici, puisque ben, il préfère être tout seul, monsieur, il a pas envie d'être avec son autre frère. Donc j'ai pas forcément le temps de ranger. Donc là, ce matin, ça va être mission rangement. Je vous montre là après quand même quand j'aurai rangé, histoire que vous voyez que des fois je suis efficace. Bon, mon bureau est un tout petit peu mieux rangé, non? On y voit un peu plus clair, ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai mis ici ma petite tasse, vous avez vu dans mon unboxing de chez Kissing Press. Mes pinceaux là pour l'instant je les ai pas encore lavés, donc je les laisse là, faut que je les lave. Mes nouvelles palettes Anastasia là qu'il faut que j'utilise. Et puis voilà, le reste c'est clean. Bon, ça, faut que je fasse ma manicure, je vous avais dit, donc je vais la faire pendant la sieste de mes loulous tout à l'heure. Et puis ça c'est des papiers à ranger. Est-ce que j'arrive? Voilà, c'est des paperasses à ranger. Et ce petit truc là, faut que je le fasse avec ma fille, hein. J'avais acheté chez Action, mais il faut que je le fasse avec ma fille, absolument. Donc je le sors pour y penser. Ici j'ai à peu près rangé une commande Dress Lily qu'il faut que je filme avec vous. Je pense que je ferai ça mardi, j'aurai un petit peu de temps. Ici, bah, des petites choses. Là il y a des choses à tester à l'intérieur. Il faut que je vous fasse une vidéo sur mes favoris flops qui sont à l'intérieur. Ça c'est à tester. Là vous avez toujours mes calendriers de l'Avent sur cette petite table. Et puis les cadeaux de Ella du calendrier de l'Avent aussi avec elle qui sont là comme ça. Je les ouvre ici. Et là j'ai préparé un petit colis que des concours à venir. Donc déjà, faut que je vous fasse gagner là sur Instagram ces petits produits-là. J'écris, j'efface et je recommence de la marque Elle comme Lune. C'est un petit carnet que j'utilise régulièrement. Il y a le petit stylo avec. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire gagner tout ça, d'après ce que j'avais compris, le petit cahier d'écriture, les petites feuilles. Je vais vous montrer ça en détail. Mais si vous avez, voilà, des enfants ou même pour vous, moi j'adore utiliser ce petit carnet pour y noter des choses à faire. Après, j'efface. Voilà, c'est un carnet vraiment réutilisable à l'infini. Pas de gâchis de feuilles, ça ressemble à un petit carnet tout à fait normal. Avec le petit stylo à côté qui s'efface, hein. Donc ça c'est trop trop sympa, donc ça peut être pour vous ou pour vos enfants. Et ça pour mes loulous, voilà, je joue régulièrement avec eux. C'est ma boîte à mots, là c'est la version école, il existe plein d'autres versions sur le site Elle comme Lune. C'est un site que j'ai découvert grâce à Instagram. Et vraiment, je remercie celle qui a créé toutes ces petites choses-là et qui vous propose de gagner des petites choses comme ça. Je vous remets tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse de remporter ce petit lot. Je crois qu'il y en a un ou deux petits lots à gagner, peut-être un, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire ici. Et si vous voulez avoir plus de chance sur Instagram aussi, hein, ça marche sur les deux, sur Insta et sur YouTube. Et voilà, le petit carnet d'écriture spécial école, donc ça, c'est un petit peu tôt pour ma fille. Voilà, vous avez les mots de l'école, hein, il y a des petites cartes dans la petite boîte à côté. Et là, vous avez les mots à réécrire vous-même. Vous pouvez les écrire en français, en anglais, etc. Puisque cette boîte-là, il y a des cartes où il y a tout le vocabulaire avec les mots dans différentes langues. Je vous montre un exemple, hein. Voilà. Vidéo projecteur, et après c'est écrit dans plein de langues différentes. Donc si vous voulez travailler avec vos enfants le vocabulaire en français mais aussi dans d'autres langues, ça peut être super cool.
Et il y a plein d'activités possibles à faire. Il y en a une d'ailleurs qui m'intéresse, une boîte à mots comme ça, je crois, avec les lettres de l'alphabet. Et on peut travailler avec les enfants l'ordre alphabétique, composer des mots soi-même, travailler l'orthographe. Donc je trouve ça trop génial. C'est vraiment des cartes en plus de très bonne qualité. Les carnets sont d'excellente qualité. Et comme je vous ai dit, bah, on écrit et on efface. On écrit, on efface. Donc c'est trop, 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 trop sympa. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce site-là sur Instagram et puis bah, aller voir un petit peu ce qu'elle fait, hein, puisque c'est vraiment adorable. Donc, concours qui vient dès maintenant, vous mettez un petit commentaire sous cette vidéo et puis bah, on se rejoint sur Insta. Et voilà tous les autres concours que j'ai pour vous. Donc celui-ci est déjà lancé, hein, vous le savez, c'est la Birchbox. Ici, ça va venir prochainement, je pense que ça va être d'ici pas très longtemps. Je vais vous faire gagner cette bougie My Jolly Candle avec un bijou. C'est la gamme Au Mon Œil. J'ai prévu donc des box comme ça avec plein de petits produits. Ça, c'est un dupe d'une palette de chez Huda Beauty. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la faire gagner. Elle est magnifique, toute neuve. Il y a plein de lots à chaque fois à l'intérieur. Il y a de quoi se faire un make-up complet. Ici, vous avez un rouge à lèvres MAC, je crois. Enfin, j'ai essayé de varier, de mettre des choses de différentes marques. Là, vous avez donc un rouge à lèvres SLA. C'est dans l'autre en dessous qu'il y a un rouge à lèvres MAC. Vous avez des produits Bella Pierre, des petits soins, des petites palettes comme ça, de make-up, du nude. Pour vous gâter, donc ça, c'est une des box aussi. Voilà, vous voyez, hein, des concours qui arrivent. Là, une deuxième box. Et c'est dans celle-ci où il y a du Garantia. Il y a un rouge à lèvres MAC. Il y a un primer de chez MAC aussi, des vernis, c'est quoi cette marque? C'est Yves Rocher, pardon. Un petit soin Caudalie, voilà, je vous ai mis plein de petits trucs. Et il y a une palette aussi de chez Kiss Impress, comme ça, dans les tons un petit peu nude rosé. Et là aussi, une palette Jovia Splash, je vous avais dit que je vous en offrirais une, elle est là. Avec les petits crayons de yeux de chez Action, qui sont vraiment sympas, je les aime beaucoup. Les nettoyants pinceaux Action, des palettes Révolution, voilà. Tout ça, ça s'organise. De toute façon, comme je vous ai dit, plus vous participez, plus vous mettez des commentaires sous mes vidéos, bah, plus vous avez de chances de gagner. Et puis, je mets des photos en plus sur Insta pour compléter, pour que vous voyez un petit peu les concours à venir ou les concours qui sont en cours. Et j'essaierai de penser à mettre aussi dans l'onglet communauté pour celles qui ont envie de participer aussi là-bas. Oh là là, mes cheveux, c'est une vraie catastrophe. Mon montant toujours aussi joli, hein. Je vais vous dire ça tout le temps, je crois. Bon, maintenant il est 1 h. J'ai passé 2 h à ranger mon bazar. Je vais encore ranger un tout petit peu dans ma chambre. Et puis après, je vais aller manger avec mes loulous. Pendant la sieste, je vais partir chez Action, je pense. Oui, il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. On est dimanche, mais je crois que c'est ouvert, hein, les Actions. J'avais vérifié et je pense que c'est ouvert. Le gosse est encore là après 2 h. Hein. Et colle pas du tout, hyper agréable, j'adore. Et bien sûr, pendant la sieste aussi, ben, mon retour d'Action, je pense que je préparerai ma classe comme je vous ai dit. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Plein de choses à faire. Et puis bien sûr, on va tester une bougie, hein, une bougie qu'on a reçue dans le colis d'hier. Peut-être la bougie coton, fleur de coton. Ouais, peut-être ça. Hein, on va faire ça. J'ai craqué et je l'ai mis dans mon bureau, la nouvelle. Là, elle sent très très bon, mais là, elle n'a pas encore eu le temps de bien diffuser. Donc je vous dirai tout à l'heure mon avis. Et puis comme je vous ai dit, je suis passée chez Action. J'ai pris pour ma classe des petites serviettes comme ça avec de la colle pour mettre par-dessus les pots, pour décorer des pots. Donc je vais essayer de faire avec ça. Mais sinon j'ai une autre technique pour la réalisation que je veux faire. Je vous mets une photo ici de ce que je veux faire. Donc soit j'utiliserai du papier un peu craft ou des vieux livres. Soit je vais utiliser cette technique créapatch. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Je sais plus, mais vous voyez, hein, de la colle et des serviettes en papier, vous badigeonnez. Et ça fait un truc sympa. Pour mes élèves, j'ai pris ça aussi pour mettre en haut de leur peau. Et j'aimerais faire graver, entre guillemets, dessus, puisque j'ai logiquement la machine pour graver. Et là, j'ai acheté les petits poinçons avec les lettres. Je sais pas si vous verrez. Et j'aimerais bien qu'on écrive sur les petits cœurs « Joyeuses fêtes ». Donc ça peut être pas mal en souvenir ou leur prénom, je vois. Mais il faut que je check si j'ai bien la machine pour ça. En même temps, elle n'y était plus chez Action. Mais je me souviens bien l'avoir acheté pour faire les gravures, etc. Donc je pense que ça va être très 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 utile. J'ai pris les lettres de l'alphabet et les chiffres. Les chiffres avec des petits motifs, le cœur, la flèche, le hashtag, etc. Donc ça peut être pas mal du tout, toujours pour mes créations, pour mes élèves. Au cas où je trouve pas de papier, du papier avec des écritures, comme je vous ai montré sur l'exemple, j'ai pris du papier un peu craft comme ça. Je me dis que ça peut être très sympa pour les créations aussi.
Et pour mes élèves, j'ai pris donc des petites bougies pour mettre en fond et après pouvoir emballer ça avec pour l'offrir à leurs parents en fait. C'est le petit cadeau de fin d'année. Il s'avère que toute l'école fait ça en fait, pas la même création, mais chacun a une petite création à faire dans sa classe. Donc j'ai trouvé cette idée là, je ne sais pas du tout si ça va bien marcher. On verra ça. Si j'ai fait déjà d'ici là, je vous mettrai une annotation, mais c'est pas sûr puisque c'est d'ici vendredi et vous aurez cette vidéo avant. Pour la boîte à cadeaux, j'ai acheté deux petites bidouilles parce que bah il n'y a pas grand choix là dans le action, donc j'ai racheté que ça. Et au niveau papeterie, j'ai trouvé deux carnets, un peu comme les Memory Planner, les Happy Planner. Deux petits carnets de stickers comme ça, ils sont très très beaux. Il y en a un, c'est dans les teintes un peu, bah voilà, sirène, licorne. Ça, si vous êtes planeuse, enfin vous adorez les planeurs, vous êtes addict aux stickers, etc. Je pense que ça va vous plaire, il est très beau. Voilà, dans les couleurs pastel, un peu sirène, poisson, il est très sympa. Il n'y avait pas grand choix, en tout cas dans mon action, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais je ne l'ai pas eu. Et ceux-là un peu sur les thèmes fruités, été. Il est sympa aussi, voilà, moi j'aime bien les carnets de stickers, c'est très pratique pour mon memory planner. Donc ouais, j'aime bien. Ça devait coûter autour d'1,79€, un truc comme ça. Et puis j'ai pris ces feuilles là pour faire une créa. Je vais voir comment je vais m'organiser ça. Mais j'aime bien ce côté un peu, voilà, gold. C'est assez épais, donc j'en ai pris qu'une pour tester. J'allais oublier, pour mes élèves, j'ai aussi acheté de l'espèce de corde là, comme ça, qui coûtait autour d'1,20€, ça coûtait pas très cher. Je l'ai trouvé dans le rayon bricolage, hein, sachez-le, parce que j'ai beaucoup cherché. Et au niveau papeterie, j'ai pris aussi deux albums comme ça, deux carnets de feuilles avec des jolis motifs. Celui-ci, il était trop beau, ça s'appelle Momento. J'avais dit que j'arrêtais de craquer pour ce genre de carnet, mais là, je le trouvais trop beau. Avec les petits XOXO, avec des appareils photo, il y a des sortes de cartes de Project Life un petit peu. Il est vraiment magnifique, je trouvais vraiment sympa. Vous voyez là, il y a des love, je sais pas si vous verrez. Des love partout, ici, des petits appareils photo un peu style Instagram et tout. Je me suis dit que voilà, pour l'album que Ella m'a offert la semaine dernière dans mon calendrier de l'avant, je vous mettrai ici. Ben, je me dis que ça pourrait être pas mal pour mettre les photos de mes copinotes. Du coup, comme je vous ai dit, faire un album un peu YouTube, en tout cas copine, rencontre via YouTube. Et là, il y avait un album, un bloc de feuilles un peu constellation, qui est encore une fois très beau. Dans les tons un peu comme ça, violine, bleuté, rose, il est très beau. Il y a encore des sortes de cartes de Project Life à l'intérieur aussi. Voilà, il y a des noirs et blancs, hein, si vraiment on veut pas trop de couleurs. Il y a la version un peu noir et blanc comme ça, très très jolie. Et alors je vais vous montrer les versions un peu cartes de Project Life. Voilà, pour vous donner une idée, j'ai trouvé ça très très beau. Après au niveau make-up, j'ai craqué pour les éponges. J'avais un lot d'éponges énormes, ça avec 18 pièces. Bon, j'ai pas pris le lot à 6,50€ parce que j'en ai entendu du bien, il paraît qu'ils sont pas mal, mais ouais, je préférais craquer que pour les trois petites éponges. Du coup, j'ai craqué que pour ceux-là. J'ai pris le fameux liner comme ça, Max Elmore, il paraît, et là, m'a dit qu'il était bien, donc on va tenter, on va tester. Et j'ai pris du coup un pinceau aussi, et là, on parle souvent en disant qu'ils sont pas mal pour le prix, à 80 centimes, je crois, un peu estompeur et un autre biseauté. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Donc, on va tester aussi, hein, parce que moi, je suis pas du tout fan des produits Max Elmore, mais. Il peut y avoir des petites choses sympas, des crayons pour les yeux avec des couleurs un peu métallisées. Il y a un marron, un vert métallisé et un bleu métallisé. Et pour finir, pour comparer avec ceux de la marque Kissing Press, j'ai pris des fossiles. Ils n'ont pas l'air ouf, mais je sais que ceux d'AliExpress sont pas mal. Donc je me dis que ceux-là de chez Action peut-être peuvent être pas mal. On verra, on testera un de ces quatre. Voilà pour mes achats chez Action, hein. Vous avez vu, il n'y a pas des trucs de foufou, mais c'était surtout pour ma classe que j'y suis allée. Et puis finalement, j'ai trouvé quelques petites choses de beauté. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous voulez une vidéo un peu crash test make-up pas cher. Je dois faire ma vidéo make-up bio, alors ne vous inquiétez pas, elle est toujours là. Mais j'aimerais bien faire aussi une vidéo style petit prix, avec des choses vraiment pas chères. Parce que je sais que parmi vous, il y a des filles qui n'ont pas forcément envie d'aller acheter chez Sephora des palettes à 60€. Et je comprends tout à fait. Mais du coup, peut-être que on peut trouver des petites alternatives. Je vais pas faire une vidéo dupe et tout, parce qu'il y a plein de youtubeuses qui en ont fait. Mais voilà, trouver des petites merveilles dans les petits magasins pas trop chers, comme chez Essence, chez Action. Est-ce que ça vous dit ou pas ce genre de petites vidéos? Ou un avis sur des produits comme ça, petit prix? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, ça fait à peine 10 minutes qu'elle brûle. Et ça sent déjà très 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 fort dans ma pièce, qui est une petite pièce. Donc je vais le mettre dans le couloir pour que ça embaume un peu toutes les pièces. Parce que là, c'est très fort. Ça sent bon, hein, c'est doux, mais c'est pour une grande pièce. Donc pour mon salon, ça va être parfait. Pour mon bureau, c'est peut-être un peu trop. Hein. Donc voici le stylo pyrogravure que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant. Mais j'ai toujours pas utilisé. Donc là, je viens de le sortir de l'emballage. J'ai testé et ça marche plutôt bien. Bon, mes élèves ne pourront pas le faire clairement eux-mêmes parce que c'est ultra, ultra chaud. Mais peut-être leur faire écrire leur prénom avec le tampon. Parce que là, moi,
J'ai fait avec la pointe en fait qui est très fine, donc c'est moi qui ai écrit moi-même, mais avec les tampons, à eux de mettre peut-être leur première lettre de leur prénom ou quelque chose comme ça. Faudrait que je vois pour faire ça en classe avec eux, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Et maintenant, je vais essayer de créer mon petit pot là pour que vous voyez un petit peu le rendu final. Bon, voici la création finale, aïe, j'ai réussi, j'ai fait avec du papier un peu craft comme ça, ma petite gravure, et voilà. Bon là j'ai mis une fausse bougie, bien sûr ils ont une vraie à allumer chez eux, mais voilà, c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. J'espère que ça plaira aux parents, c'est un petit truc, hein. C'est pas une créa de dingue, mais en même temps tous les collègues le font, donc je me dis il faut que je ramène quand même un petit truc. J'ai trouvé que ça comme pot, un pot de bébé. Évidemment, mais mes élèves vont ramener des pots style haricots, vous savez, en verre, ou les pots de confiture. Mais voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires avis parce que je sais pas du tout ce que ça va rendre. Moi, j'espère que ça plaira à mes élèves. Hein. Bien sûr, ils auront le choix du papier, varié, etc. Je pense qu'on va varier sur ça, on va jouer sur ça. Voilà! Là-bas, vous voyez, il y a mon beau sapin. Vous avez vu une vidéo, logiquement, où on a fait le sapin avec mes enfants. Je vous la remettrai dans le petit, mais il est trop trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis avec mon petit crapouillou là, qui est là. À quatre pattes, qui se lève déjà. Oui, il se lève déjà. Un petit coquin. Un petit coquin. Un petit coquin. Ça fait rire. Dès que je parle, il est mort de rire, cet enfant. Vous avez vu, j'ai fait une petite recette butternut avec du chèvre et tout. Ça a l'air pas trop mal, on n'a pas encore mangé, donc on va goûter avec chérie, je vous mettrai une annotation pour vous dire si c'était bon, mais ça a l'air succulent. J'ai vu pas mal de recettes passer comme ça avec le butternut, où on pouvait mettre de la viande, de la chair à saucisse, etc. Moi j'ai fait en mode, entre guillemets, végétarien, mais bon, après vous faites comme vous voulez. J'espère que cette recette vous aura plu, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé un petit peu des recettes comme ça. Et puis pendant que ça, parce que ça met 1 heure à cuire, hein, donc pendant que ça c'était en train de cuire, j'ai fait de la purée pour mon petit crapouillou là. On a fait pommes de terre, poireaux pour monsieur et avec un petit peu d'œuf pour tout ce qui est protéines. Donc ça va être pour demain midi et après demain midi. Et il est là, il est là, il est là. Et monsieur, il adore tirer les cheveux. Hein, t'adores. Oh, et voilà. Hop, on va mettre les cheveux derrière avant que tu recommences. Regardez comme il se lève. C'est un grand gaillard. Hein, tu vas te lever. Monsieur bêtise. Monsieur bêtise. Monsieur Bêtise, Monsieur Bêtise, Monsieur Bêtise. Ah, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker dès maintenant et on se retrouve demain comme d'habitude. J'ai hâte de vous lire en commentaire, je fais des gros gros bisous.